Bertrand Warnier, Beauchamp, c'était une ville nouvelle. Pourquoi elle a été abandonnée? Beauchamp est un secteur dans lequel il y avait de l'espace au centre de la vallée de Montmorency. La vallée de Montmorency, c'est un point de passage qui existe depuis tout temps. En venant de Paris, on traverse le col qui est compris entre le but de Montmartre et le but de Chaumont. On contourne par Saint-Denis le méandre de la Seine et on se dirige tout droit en direction de Harfleur, Le Havre, direction la Grande-Bretagne. C'est ce qui s'est passé aussi avec les voies ferrées, les voies de chemin de fer, qui ont pris le même itinéraire en venant de la gare du Nord et de la gare de l'Est de l'autre côté. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les routes nationales. Donc c'est un espace qui était bien desservi et dans lequel la pression urbaine se manifestait. Il y avait déjà trois ZUP qui avaient été programmées. La ZUP de Dermont, la ZUP de Saint-Leu, la ZUP de Taverny. C'est aussi un endroit dans lequel, à la patte d'oie d'Herblay, se trouvaient des investisseurs commerciaux qui souhaitaient réaliser un grand centre commercial. Et donc, il fallait pouvoir, si on voulait organiser les choses convenablement, correctement, prendre un peu les devants et montrer qu'il y avait une capacité d'accueil le long d'une voie de chemin de fer, le long d'un axe principal amélioré qui était celui de la chaussée Jules César récupérée et qui devenait un axe de composition majeur de la vallée. Et c'était une manière de pouvoir utiliser des espaces disponibles en créant de nouvelles gares sur des voies existantes. C'était en plus l'amorce d'un axe tangentiel nord qui permettait de pouvoir rompre avec les systèmes radioconcentriques qui était étouffant, et donc cet axe tangentiel nord prenait en écharpe la vallée de Montmorency et allait jusqu'à Pontoise. Alors pourquoi est-ce que le Beauchamp a été abandonné et au contraire Cergy-Pontoise prenait de la vigueur, de l'importance? C'est parce qu'en fait il fallait répondre à des demandes qui permettaient d'accueillir 14 millions d'habitants, on était à 7,8 millions, quelque chose comme ça. Donc le secteur de Cergy-Pontoise devenait un secteur un peu clé. Il était dans un site tout à fait exceptionnel et il permettait de réaliser une opération de ville nouvelle, de centralité, qui permettait d'avoir l'équilibre habitat-emploi, des centralités importantes, etc. Beauchamp aurait pu être rattaché à Cergy-Pontoise. On n'a pas voulu finalement associer les deux, probablement pour des raisons de politique locale. Puis la deuxième raison, c'est qu'il y avait une association qui avait trouvé un argument choc qui flambait un peu la chaussée Jules César, en considérant que, en lui donnant une importance de composition très grande, en fait, c'était cacher la réalité, celle de vouloir rapprocher l'Élysée, le Grand Charles, du PC atomique de Taverny.